Le zaouli est une danse de résistance de l'ethnie Gouro, créée dans les années 50 à Zabizéifla par Wenaïla pour mettre en exergue le talent des danseurs pour le grand plaisir des villageois. Les légendes se rapportant à l'origine du zaouli sont diverses, mais toutes s'accordent à dire que les créateurs ont été inspirés par une jeune fille d'une beauté exceptionnelle, prénommée Djelalou Zaouli, littéralement la jolie fille du lion. Le zaouli, pour le moment, se trouve à l'ombre. Il faudrait que le zaouli soit au grand jour, à partir du ministère de la Culture. Nous voulons, bien sûr, un appel du ministère de la Culture pour que Zaouli soit lancé dans le monde entier. Aujourd'hui, je suis très réjoui parce que le pas est déjà lancé. Donc je sais que le ministère de la Culture fera en sorte que Manfla, le Zaouli de Manfla, soit un slogan demain, après-demain, pour que Manfla ait une réputation aux yeux de tout le monde, de toute la Côte d'Ivoire. Ça a transité de Huitafla à Boisflé, dans le Yassoua. Voilà. Ce n'est que les Nyan, les Man et les Yassoua qui dansent le Zaouli. Quand on parle de Zaouli, le Gouro, c'est le Gouro typiquement qui danse le Zaouli. Voilà les trois tribus qui dansent le Zaouli. Il y a la tribu Nyan, la tribu Man et puis la tribu Yassoua. Mais ça a transité de Huitafla et aller vers Boisflé. C'est pas quitter par Boisflé pour venir ici. Ça quitte de Guitafla à Boisflé. Notre zaouli est très spécial dans ses pas de danse. Ses pas de danse que lui-même il a initié, qu'il a connu, qu'il sait faire, c'est le glissement. Ce pas-là, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Il est le seul spécialiste de ses pas de danse qu'on appelle le glissement aujourd'hui. Je dis merci au ministère de la Culture, l'OIPC. L'OIPC, je lui dis grand merci. Une fois aller dans la forêt, ne pas connaître la forêt, il faut venir au moins deux, trois fois. Comme ça, Manfla va de l'avant. Bien que récente, cette danse respecte la tradition. Avant de danser, on consulte le devin et on offre un cabri aux ancêtres. Le danseur du Zaouli ou Zaouli Bozanès est un homme, alors que le masque représente une femme. Il choisit et confectionne lui-même son costume. D'un village à l'autre, les pièces du costume restent les mêmes, mais leur couleur et leur texture peuvent changer. Le costume recouvre entièrement le danseur. Il porte des bas et des manches. Sa tête est entièrement cachée par le masque. Il porte une jupe en raffia et un pagne accroché au masque recouvre le haut du corps. Ses mains tiennent des chasse-mouches en queue de bœuf. Elles apparaissent par moments sous les bracelets en longue fibre du raffia. Le danseur porte aux chevilles des grelots ou pans en dessous desquels sont accrochées des fibres du raffia qui recouvrent les pieds. Le masque que porte le danseur est généralement réalisé par un sculpteur du village. C'est un hommage à la beauté féminine. Il se caractérise par la finesse des traits et par les couleurs vives. Il représente un visage souvent surmonté de figures d'animaux, serpents, panthères, oiseaux, de personnages ou de cornes de bélier. Le sujet se rapporte soit à des proverbes, soit à la cosmogonie gourou ou à des légendes. C'est mon papa qui a montré le zaouli à les blancs. Celui qui dansera ne s'appelle pas l'eau. Mais il dit l'eau. Oh, lui, c'est son nom. Il lui dit, fais attention, l'eau, fais attention, ne va pas là, viens ici, et ainsi de suite. Donc c'est lui qui le guide. Maintenant, si tout finit, c'est lui qui sort d'abord pour danser. Chaque village gourou a son danseur de zaouli qui sort à l'occasion des funérailles
ou des grandes fêtes. Un orchestre composé de musiciens et de chanteurs appelle le zaouli. Celui-ci arrive, précédé d'un accompagnateur, ou zaouli zouozan, qui dévoile le masque jusqu'alors couvert de pagne. La beauté du masque révélée, le danseur entame une série de pas extrêmement rapides et rythmés par les flûtes de l'orchestre. Pieds et mains se suivent dans une chorégraphie sans cesse renouvelée selon l'inspiration et le talent du danseur et rehaussée par le son des grelots et le mouvement des chasse-mouches. Le masque fait des performances et des prouesses. Il doit montrer tout son talent dans la diversité, l'originalité et la rapidité d'exécution des pas et des figures qu'il effectue. Il ne doit jamais refaire la même chose lors d'une danse sous peine de se voir discrédité. La danse zaouli n'a pas de phases différentes, mais des pas très variés. Plusieurs danseurs peuvent se succéder et rivaliser de talent devant le public qui apprécie. La séance complète du zaouli, telle qu'elle est pratiquée dans les villages, comporte un défilé de sept masques différents qui dansent à tour de rôle. Le zaouli est un art total, associant le masque, le tissage, le costume, la musique et la danse. Malgré donc son apparition récente, le zaouli est sans conteste un élément essentiel du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. L'orchestre du zaouli comporte environ 10 musiciens. Les instruments de musique sont variés. Il y a 5 formes de tambours différents. Le grand tambour, ou fliglili, ou fliblin, ainsi que 2 tambours en forme de mortier, tumbalo, sont frappés avec les mains, tandis que le tambour cylindrique ou geima, les tambours des selles ou puo et le tambour à fente, claclé, sont frappés avec des baguettes. Il y a aussi une cloche métallique ou crené-crené et 3 flûtes en bois, belli, mâle, femelle, enfant. Le tambour principal exécute, sur l'ordre du danseur, le fond rythmique. Pendant la séance, une ou deux femmes peuvent danser à côté du masque.